Bon, je vous donne quelques nouvelles. Donc là, je suis au Japon et en fait, j'avais une semaine qui était prévue avec des lycées agricoles japonais. Donc au nord-ouest, non, au nord-est du Japon, à Nakashibetsu. Et comme je viens d'Inde, en fait, je n'ai pas eu le droit d'atterrir à Nakashibetsu parce que je suis potentiellement porteuse de maladies bovines qui peuvent être transférées dans les champs. Et donc aux vaches japonaises. Donc je n'ai pas été autorisée à faire cette visite, à faire cette semaine, et j'ai dû changer complètement mon programme. Et là, du coup, je suis dans une ferme, et j'ai vraiment de la chance parce que c'est donc un couple, Raymond et Aki, avec leurs enfants qui gèrent la ferme. Et là, je suis en train d'apprendre à faire du fertilisant traditionnel à partir de son de riz, de chicken manure. Donc chicken manure, c'est des fientes de volaille et des résidus de fabrication de tofu, tout ça mélangé. Donc j'ai prévu de faire une vidéo et je suis vraiment dans une ferme très très sympa. Donc voilà, finalement, le fait que cette semaine avec les lycées agricoles japonais ait été annulée, ça m'a permis de venir ici et de vivre une super expérience. Donc là, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps. Donc on est en train de préparer les fertilisants pour le riz et pour le blé et le soja. Voilà.